On va parler de déco à présent avec le retour d'Eric en cette rentrée. Alors, on va pas parler de couleurs forcément ou d'une thématique très spéciale, mais il va vous aider, Eric, si votre appartement ou votre maison est un peu trop sombre, eh bien à faire entrer la lumière chez vous. Exactement. On a tous passé l'été dehors. Enfin, on continue à passer la plupart de notre temps dehors parce qu'on a un bon mois de septembre. Voilà. On a une très belle lumière. On commence à avoir des lumières d'automne qui arrivent et qui sont assez, assez sympas pour rester dehors et prendre apéro et détente à souhait. Vous aujourd'hui, attention, hein, parce qu'entre la réputation de la liqueur, le piano cocktail et prendre l'apéro, alors tout écoutez-moi. Pour être pote avec nos copains de si César, votre réputation, elle n'est pas faite ce soir, moi je dis elle n'est plus à faire. Ouais, voilà, c'est la thématique de la rentrée. Donc, l'idée en fait, c'est de vous donner cette astuce déco telle, je pourrais vous décliner les 7 péchés capitaux, là je vous donne les 7 astuces déco. Alors pourquoi 7 d'ailleurs ? 7 parce que c'est un peu les grandes lignes d'accord. en fait, qui permettent effectivement de pouvoir corriger quelques petites imperfections chez soi si on a une pièce sombre et que l'on veut apporter de la clarté. Ce qui est assez intéressant, c'est toujours quand je donne des conseils déco d'y aller pas à pas, de pas se jeter tête baissée à l'intérieur de son chantier. C'est vraiment d'essayer de prendre le temps de choisir à la fois ses matériaux, ses couleurs, mais aussi tout ce qui va faire sa décoration et ne pas se faire une grosse opération week-end caddie où on va arriver avec un gros caddie chargé avec la peinture, le lustre, les meubles. C'est dommage parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a certaines choses à corriger. On va commencer par le premier, ça va être donc la couleur. Les couleurs claires sont à privilégier donc pour un intérieur sombre. Jusque là on va dire que c'est un peu le béaba. Alors j'ai vu que ce qui était hyper tendance, c'est un mur jaune en ce moment. Alors vous pouvez apporter des touches de couleur. Je vois du jaune partout, dans les magazines. On en a déjà parlé, on m'avait raillé en disant c'est assez, assez jaune, punchy. C'est punchy. Enfin, faut aimer, mais c'est vrai que je vois ça partout, mais du coup, un mur genre. C'est hyper lumineux, ça permet d'apporter du relief. Selon le mobilier et tout, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Exactement, donc ça peut être le côté un peu agressif qui va permettre de donner une touche lumineuse, mais on peut aussi non aller dans les camaïeux de blanc où on va avoir de très jolies couleurs complémentaires. On va voir à l'écran par exemple l'exemple d'un nuancier où on va partir sur le blanc le plus neutre qu'on trouve en haut à gauche et on finit sur quelque chose de plus top, plus doux, plus crème. De l'écru, donc, du champagne. Exactement. Champagne, genre dans ce qui est assez intéressant, c'est de combiner les couleurs ensemble pour créer une jolie harmonie. Elles ne s'affrontent pas entre elles, elles sont assez douces et ça permet véritablement du coup d'apporter une touche lumineuse au niveau des murs. Choisissez de préférence des couleurs avec des pigments naturels qui vont vraiment refléter la lumière tel un diamant, c'est-à-dire qu'elles vont capter la lumière autour de la pièce et du coup non seulement apporter de la clarté par la couleur mais aussi par l'effet de cette lumière qui va se refléter. Donc ça c'est le premier point. La deuxième astuce souvent qu'on connaît, c'est de mettre un miroir, mais ce miroir il ne faut pas le mettre n'importe où. On utilise souvent un miroir pour agrandir une pièce qui va être un petit peu trop petite. Là il va falloir utiliser le miroir en écho d'une fenêtre. Vous allez mettre ce miroir face à la fenêtre va se refléter dans le miroir, donc automatiquement et naturellement la lumière va se refléter aussi et ça va vous donner un effet comme s'il y avait une seconde fenêtre dans cette pièce. Donc ça c'est assez sympa. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, il y a un effet de grandeur aussi. Exactement, ça permet de corriger à la fois la petitesse d'une pièce mais ça aussi fait plus de profondeur. Exactement, on va le voir sur une image par exemple au niveau d'une salle de bain où on a le miroir qui est au-dessus de la vasque hein, de manière classique, mais on a cet effet de lumière finalement où la lumière se reflète dans le miroir et du coup ça illumine la cabine. On dirait qu'on a deux fenêtres. Exactement. Au final. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment pas hésiter à faire cette astuce. Ensuite la troisième astuce c'est le sol clair. Donc souvent on pense au mur, on pense à plein de choses, mais pas au sol. Là pareil, privilégier un sol qui soit assez clair. C'est joli, les sols, les parquets. C'est toujours dans des camaïeux, c'est assez doux. C'est pas forcément maintenant avec la qualité des sols, c'est pas forcément plus salissant. Faites attention si vous achetez du parquet. Souvent il y a des parquets à bas prix qui sont très rugueux lorsqu'on les touche. Cela, c'est un enfer à nettoyer. Essayez vraiment d'avoir quelque chose d'assez doux avec un revêtement pas plastifié non plus, qui soit brillant mais qui soit facile d'entretien. Plastique, voilà, parce que souvent on a du parquet ça à 4 glisse, euros, 50 mètres carrés. La saleté et tout ça ne s'incruste pas. C'est ça, du coup, donner un petit coup. Donc ça vraiment, n'hésitez pas. Petit coup de serpillière le samedi matin et le tour est joué. Et voilà, et le tour est joué. Et alors, gagnant. Ensuite, le plafond, pareil. Généralement, ça, on sait, tout le monde le peint en blanc. C'est la première chose. Par contre, ce que souvent on ne fait pas et qui est intéressant à faire, c'est de choisir une finition brillante. Alors, pas forcément laquée non plus, mais d'essayer d'avoir quelque chose de brillant. Et si vraiment vous avez un problème de clarté, ce qu'on peut préconiser aussi, c'est opter pour les plafonds tendus. Alors, les plafonds tendus, ce n'est pas forcément le côté vieillot tel qu'on le connaît. Ce sont en fait des bâches qui sont tendues. Donc, c'est une sorte de plastique, on va dire. On va dire que je démocratise vachement en vous donnant des termes qui sont très accessibles. Mais en fait, c'est ça. On va
va tendre en fait une bâche plastique sur les quatre murs. Du coup, ça va vous permettre de gommer toutes les imperfections et d'avoir quelque chose de complètement lisse. Et d'accord. En plus, il y aura la particularité, pourquoi pas, d'être brillant. Pareil, on a cette astuce avec la peinture, on vous dit, qui est brillante. Elle va gommer les imperfections et elle va refléter la lumière. Donc du coup, c'est assez intéressant. Tout se fait écho. Tout brille, chez Eric. Ouais, le sol est brillant, le plafond est plastifié. Mais ce n'est pas Strass et Paillettes, hein, tout est en l'élégance et la retenue. Au niveau des fenêtres, n'optez pas pour un voilage qui soit trop important, parce que ça va tasser votre mettez pièce. Mettez des rideaux brillants. Optez pour des stores. Non, on passe pour des les stores. Des rideaux qui brillent. Les stores, l'avantage qu'ils ont, c'est que finalement, vous pouvez dompter la lumière au fil de la journée et du coup, avoir des éclairages plus ou moins tamisés. Ah, ouais. Et ça, c'est assez intéressant. Si vous avez une pièce, pour le coup, qui n'est pas forcément sombre, mais qui est très ensoleillée, inversement, ça va vous permettre de tamiser la lumière et d'éviter d'avoir quelque chose d'agressif. Et pareil, si vous vous en mettez un petit peu partout selon le nombre de fenêtres que vous avez, je trouve que c'est assez intéressant sur ces jeux de lumière que vous pouvez avoir dans l'appartement. Donc évitez les gros voilages, c'est vrai qu'on peut le faire, mais évitez d'avoir quelque chose qui soit trop opaque, parce qu'au risque de se cacher des voisins... Pas des rideaux trop voilà. lourds. Exactement, parce qu'au risque de vouloir se cacher des voisins, on se cache aussi de la lumière. Mmh. Et du coup, ça sert à rien d'avoir des murs blancs, des sols blancs, des plafonds blancs, on a quelque chose qui est trop opaque. Donc ça, faites attention, on trouve des stores à tous les prix, partout. On peut aussi solliciter du sur-mesure, c'est un peu plus cher, mais ça permet d'éviter les bricolages hasardeux où on va se retrouver avec des dimensions un peu incertaines. Donc voilà, par exemple, c'est l'exemple type, il faut prendre le temps, comparer et essayer de voir ce qui est le plus adapté. Ensuite, l'éclairage. On va éviter ce genre de choses, par exemple en éclairage, parce que ça va être trop un éclairage directif qui va se mettre sur des points précis. Donc vous allez éclairer effectivement le bas de la pièce, mais c'est pas top parce que le haut va être assombri, il n'y aura pas de lumière. Il faut une lumière diffuse. Exactement. Ouais. Optez pour ce type d'éclairage plutôt. Le suivant qui lui par contre va diffuser la lumière. Il n'y aura pas de jeu d'ombre entre la lumière et ce qui la diffuse. Et du coup c'est plutôt pas mal. Si vous prenez un plafonnier, ça peut être intéressant aussi parce que le plafonnier du coup s'il est pareil en verre un peu dépoli, ça va diffuser la lumière en bas, mais ça va diffuser la lumière aussi en haut. Et du coup la refléter, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et surtout ce que vous devez faire qui est assez important, c'est de parsemer des points de lumière un peu partout dans la pièce et essentiellement dans les coins sombres. Du coup avec toutes ces touches de lumière, vous allez pouvoir encore une fois jouer avec la lumière, avoir des ambiances plus ou moins tamisées. Mais faites attention aux ampoules. Si vous prenez des ampoules trop claires, vous aurez l'impression d'être dans une chambre d'hôpital. Donc, c'est terrible. Faites hyper attention sur ce que vous achetez. Préférez plutôt des LED qui du coup donnent une lumière un peu plus jaune. Tamisée. Exactement. Sinon elle est trop bleue, elle est trop métallique. Et c'est trop bleu et c'est pas top. Et après, pour finir, ce sera les accessoires. Quelques exemples vont passer à l'écran. Les accessoires, ça va être les coussins. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, même si vous faites du blanc total, vous pouvez mettre des petites touches de bleu, des petites touches de marron clair. Donc tout va être très doux, tout va être Et du satin pour que ça brille. Et du satin pour que ça brille, si vous voulez. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment vous n'avez pas envie d'être dans le tout blanc, vous pouvez mettre, pourquoi pas, certains meubles, par exemple, laqués noirs. Parce que vous allez avoir, c'est comme le yin et le yang, les deux couleurs vont s'affronter. Il n'y en a aucune des deux qui prend le dessus, ça crée un contraste et du coup ça crée un apport de lumière artificielle par rapport à ces deux couleurs. Donc, bah, dis donc, monsieur, toutes ces théories. Voilà, là, réécoutez cette chronique, feuilletez les magazines, allez dans les magasins écoutez et surtout faites les 7 conseils style, d'Eric. Voilà. Et puis n'oubliez pas du brillant. Ah, c'est ça, briller en cette rentrée. Mais pas